Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Donc là les gars, je vous représente le glitch solo. Donc c'est un glitch très facile à faire, de tuto facile France. Vous avez déjà dû le voir quelque part. Je vous le représente. Donc il va vous falloir une Elegy custom rétro pour faire de l'argent. Donc vous n'allez pas dupliquer n'importe quoi, vous allez dupliquer une voiture de chez Beniz. Il vous faudra un complexe, plein de véhicules. Un Avenger, l'Avenger c'est l'avion. Et avoir au moins lancé une mission de braquage et avoir l'invitation de Lester dans votre téléphone. Il va vous falloir aussi un camion mock. Donc le camion mock c'est ce que vous achetez quand vous avez le bunker. Et le camion mock, il va vous falloir dans ce camion mock qui est un parking dedans. Donc c'est un garage de fonction. Une fois que vous avez tout ça les gars, vous préparez l'activité récente. Donc vous allez dans profil, activité récente, et vous cherchez à acheter un véhicule ou à acheter une arme. Vous cliquez dessus et vous revenez dans le jeu, vous faites deux fois PS. Donc vous cliquez dessus et vous mettez votre curseur sur lancer GTA Online. Comme ça sera rapide pour faire le bug. Tout le monde va le réussir ce glitch. Une fois que vous avez tout le matos qu'on vous demande, vous allez le réussir de suite. C'est un truc de fou comme il est facile. Encore un gros big up à Tuto Facile France pour ce glitch. Et en plus, il est en train de durer 3 jours, c'est un record. Donc à mon avis, Rockstar, il a du mal à le patcher. Allez, c'est parti, tout est prêt, j'ai préparé mon activité récente, j'ai reçu mon braquage. J'ai mes RH8 dans le garage du braquage, d'accord ? Donc où je vais être téléporté quand je vais lancer Lester, il faudra que j'ai des RH8 dedans. Là ça va être facile, vous allez faire X, entrer dans le mock, dans le cockpit, d'accord. Donc il faudra que vous soyez sur ce message, vous allez faire X, deux fois PS, lancer GTA Online et vous allez refuser le message. Pour Xbox c'est pas pareil, visée différente d'un autre joueur. Donc s'il faut vous allez rejoindre un joueur. Et ensuite, vous modifiez la visée par rapport à lui. Donc, vous n'aurez même pas besoin de le prévenir. Vous rejoignez un joueur qui est en ligne et vous modifiez votre visée après à l'avoir rejoint. Session sur invitation obligatoire. Ça, à chaque fois, j'oublie presque de vous le dire. N'oubliez pas d'être en session sur invitation. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai fait X, deux fois PS, lancé GTA Online et j'ai refusé le message. Faites-le assez rapidement, il faudra que vous vous retrouviez ici. Si vous êtes au volant de l'Avenger, vous descendez, vous recommencez. Pour Xbox, c'est aussi simple, hein, les gars. C'est un solo quand même. Donc là, je lance mon braquage. Vous ouvrez votre téléphone, vous lancez Lester, ça va vous téléporter dans l'immeuble du braquage, dans votre appartement. Là, vous aurez sûrement accès à 3 garages, d'accord ? Donc 3 appartements au final dans le même immeuble. Donc là je vous montre la méthode avec cet immeuble, d'accord. Donc là vous descendez direct dans le garage. Hop. Et de ce garage vous sortez pas à pied, sinon vous serez plus bugué, ça marchera pas. Donc là une fois que vous rentrez dans le garage de ce braquage, vous récupérez la RH8. Vous la laissez démarrer et ensuite vous la sortez. Donc là genre je suis à Del Piero, je suis en plein centre, je vais me téléporter au complexe parce que le jeu il croit que je suis au complexe. Vous voyez, bim, là c'est bon, je suis en session sur invite, ça marchera à tous les coups. Le braquage je le reçois de suite, vous voyez, pour la prochaine duplication. Et là je vais aller chercher le message complexe plein. Donc c'est pour ça que votre complexe il doit être plein. Parce qu'on doit switcher un véhicule obligatoire.
Donc moi je vais switcher une Illigi parce que je veux gagner de l'argent. Donc une fois que vous allez rentrer dans votre complexe, vous allez switcher la voiture que vous voulez dupliquer. Donc en gros elle va freeze. Donc vous allez switcher, donc vous allez mettre votre véhicule original dans le garage du braquage, d'accord? Et là, vous aurez la duplication ici, freeze au même endroit. Donc moi là, je vais prendre le véhicule jaune. D'accord? Ce véhicule jaune, il va garder l'apparence du véhicule jaune. Sauf que ça sera une RH8. Il est là le glitch. Donc la duplication, elle est faite là. Déjà. Vous avez vu? Sans voir, on l'a faite. Maintenant, il me suffit juste d'aller la chercher. Donc allez bien au véhicule que vous avez switché. Je vais récupérer ma RH8 qui a une apparence déléguée custom rétro. Donc cette RH8 elle peut avoir l'apparence de ce que vous voulez comme véhicule. Si vous voulez des véhicules en double, même si c'est pas pour les vendre, vous pouvez faire tous les véhicules qui rentrent dans les garages. Ensuite, vous avez fait ça, vous allez sortir avec le véhicule. Regardez la plaque 904. Dès que je vais sortir du garage, il y aura la plaque de la RH8. Donc ça s'appelle ça une plaque propre. À chaque duplication, vous aurez une plaque différente. Donc c'est nickel, pas besoin de plaque custom, ça servira à rien, elle disparaîtra. Donc mon original, elle est dans mon garage. Là, j'appelle mon camion mobile et je vais mettre la duplication dans le camion mobile pour la valider. Donc ça valide la duplication. Donc pour ceux qui n'ont pas le camion, je viens de penser, faites un test de sortir du complexe avec le véhicule et de le rentrer. Vous voyez ce que ça donne. Si vous avez la duplication, ben vous voyez, vous aurez le camion en moins à faire. Je vous dis ça, je ne l'ai pas testé. Donc une fois que vous avez rentré votre duplication dans le camion, vous avez juste à la sortir et à la ramener au complexe. Parce que sinon, vous n'aurez plus délégué. Ça veut dire... L'original, elle est dans le garage du braquage. Et la duplication, elle est ici. Donc si vous la ramenez pas, à un moment, vous allez manquer de véhicules dans votre complexe. Donc là, je vais récupérer le véhicule. Et je vais la mettre dans le complexe pour vous refaire une autre duplication. Les gars, ce qui leur manque, les complexes... Ce qui leur manque, les bunkers, tout ça, nous on est là pour vous aider. D'accord? Je vous ai mis une vidéo du braquage en illimité Pacific Standard. Regardez bien cette vidéo, apprenez à faire cette mission correctement. Ensuite, vous allez inviter Fouedi134 sur PS4 et vous allez m'écrire un message sur PSN, vous allez me dire braquage. Moi, je vais vous inviter dans une discussion avec que des joueurs qui veulent faire le braquage. Je vais vous rassembler. Mais d'abord, regardez bien la vidéo, apprenez à faire le glitch. Parce que si vous faites le braquage que vous connaissez rien, les joueurs, ils vont pas vous garder. Ils vont vous bloquer, ils vont vous muter, ils vont vous effacer. Donc d'abord, vous regardez la vidéo, vous comprenez comment ça se passe. Et après, quand vous ferez la demande de vous aider ou d'aider quelqu'un, vous saurez quoi faire. Donc là, la nouvelle duplication, on va la switcher et on va pouvoir recommencer le glitch. Allez, n'hésitez pas, ceux qui leur manque l'Avenger, ceux qui leur manque le complexe, avec quelques braquages, ça va être vite réglé. Voilà, en plus vous allez vous faire des nouveaux amis sur le jeu, et c'est fait pour ça le jeu, c'est pas fait pour rester seul. Donc nous on est là, Fouet 134, ADH, j'ai un crew et on est là pour s'entraider. Encore merci à tous ceux qui soutiennent, les gars. Donc là, vous voyez, j'ai fait X, 2 fois PS. J'ai refusé le message. Je suis bugué. Et là, j'ai plus qu'à lancer le braquage de Lester. Il est vraiment très facile, les gars. Là, j'ai fait le glitch et déjà, j'ai fait la manip à faire. Maintenant, vous avez juste à suivre les étapes.
très très facile à faire. Donc, juste après cette vidéo, je vais vous lancer une autre méthode que je vous mettrai après dans la description. Donc, en cas vous regardez dans la description, il y a une autre méthode où vous pouvez sortir de votre appart et aller dans d'autres garages. Donc, en gros, je vous explique, vous allez pouvoir dupliquer les 30 véhicules que vous aurez accès dans cet immeuble. Donc, c'est au plus vite. Faut pas aller ailleurs non plus. Donc, le braquage, il vous amène à cet immeuble. Et vous avez juste à sortir de l'appartement et aller dans le garage différent du braquage. Ça peut vous faire jusqu'à 30 RH8 sans faire de switch. Donc là, vous voyez, j'ai sorti le véhicule. Je le re-rentre, complexe plein. Je vais switcher avec ma custom rétro. Et en avant. Les gars, il est super facile. Je suis en train de faire la deuxième. C'est presque pas un glitch, c'est un bug. Donc celui-là, tout le monde est capable de le faire. Profitez-en. Voilà. Il vous suffit là de faire 2-3 braquages, vous aurez tout le matos qu'il vous faut. On sait très bien que c'est il faut être riche pour avoir tout ça, mais il y a toujours moyen d'être riche sur GTA. Moi, je suis level 20, ça fait longtemps que j'ai tout acheté. Donc, si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas pauvre. Hein. Donc, il y a les abonnés qui nous aident, moi qui vous aide, et après, j'espère vous ferez pareil. On vous aide parce que on sait que derrière vous allez aider aussi. Voilà les poteaux. Donc là, je récupère ma duplication. Donc vous voyez, elle a marqué 796. Et en sortant, elle va changer encore la plaque. Ensuite, vous allez appeler votre camion mobile. Vous rentrez dans le véhicule et vous mettez ce véhicule dans le camion mobile. Pas plus dur, j'ai fait deux duplications. Pour finir le glitch, j'ai juste à la remettre dans le complexe et recommencer la manipulation dans l'Avenger. Voilà les potos. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous refaire cette vidéo. Le glitch n'est pas patché à cette date. Donc profitez-en les gars. Ciao ciao, à bientôt.